le principal parti de gauche, le Parti socialiste, est un parti qui a fait beaucoup, énormément, pour sauver le système capitaliste et l'installer dans sa phase néolibérale, c'est-à-dire cette phase du capitalisme spéculatif, financier, où la finance est non seulement mondialisée, mais totalement dérégulée. Les socialistes ont été très aux avant-postes. Et donc, cette trahison est trop lourde de conséquences. D'où, nous, avec Michel, on pense que le mot oligarchie, nous, on l'employait depuis longtemps parce que c'est un terme philosophique, sociologique, mais disons qu'il nous a semblé qu'il rencontrait un écho à partir de la trahison de 2005. C'est-à-dire en 2005, il y a ce référendum pour la Constitution européenne que une majorité de Français a rejeté, s'entend très bien qu'il y avait un coup de force de la finance derrière cette constitution, à juste titre d'ailleurs, et du coup le terme oligarchie convient très bien puisqu'on voit des responsables politiques qui ont une sensibilité de droite ou qui ont une sensibilité de gauche, mais qui appartiennent tous à l'élite, au haut de la société, voter comme un seul homme pour une constitution qui donne la part belle à la dérégulation des marchés financiers, qui interdit à la Banque Centrale Européenne de prêter aux États européens pour emprunter, pour rembourser leurs dettes. Ils ont l'obligation, ils sont totalement dépendants des marchés spéculatifs. Bref, la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. Qui en est responsable? Ce sont ces oligarques. Donc évidemment, quand les valeurs de gauche sont à ce point trahies, malmenées, eh ben ça fait du mal. Thank you.